bientôt. Bonjour. Ah oui. Le siège de la guilde de Corolle a reçu une visite fort déplaisante récemment. Quelqu'un qui en voulait à Tekeus. Bonjour à toutes et tous. Absolument. Où est Arthor? Je ne l'ai pas vu dernièrement. Au revoir. Ah, ces dialogues. Je crois que ça fait une semaine que j'ai pas joué. Oh, mon dieu, en fait, j'ai passé mon temps libre à bosser la coulisse de ma future chaîne Twitch. Et j'ai bossé ces dernières heures, j'ai enfin ouvert ma page YouTube. Ça fait bizarre, j'utilise YouTube depuis plus de 10 ans en utilisateur anonyme, sans compte. Et là, j'ai récemment ouvert un compte où j'ai publié mes premières vidéos. Ah, je suis ému. Ah. Je finis par faire comme tout le monde, j'ai envie de dire, à ce niveau-là, au niveau de ces plateformes. Ah non, je dis ça, non, tout le monde, loin de là, non, je dis des zonneries. Tout le monde ne consomme pas YouTube en proposant du contenu, mais juste en le regardant. Non, non, je dis des sottises. Bon, allez, on retourne dans l'histoire. Là, j'incarne la mage haute-elfe Gwendoline, et c'est la folie. J'aime bien comment ses mains sont modélisées. Ça, c'est pas facile de faire des belles mains. Et franchement, pour l'époque, elles sont stylées. Alors, je suis dans une posture pas trop cool au niveau du micro. Faut que j'essaye de parvenir à le faire tenir. Ouais, j'espère que comme ça va être bien. C'est un plaisir de vous voir. Bonjour. Non seulement Chamère fait du très bon vin sur l'exploitation de Tamika, mais il est aussi très doué au tir à l'arc. Apparemment, il accepte d'entraîner les gens si on le paye. Avec le temps qu'il passe dans ses vignes, c'est surprenant qu'il puisse encore s'entraîner au tir à l'arc. Glartir a un comportement encore plus étrange que d'habitude, vous ne trouvez pas? Au revoir. Waouh, ces dialogues. Comment qu'elle est stylée, cette fille. Oh, mais je suis chargé comme une mule, je suis en train de voir, j'ai 190 unités de mon poids sur 200. Il faut que je vende mes trucs. À mon avis, je suis revenu de combat. Ah oui, ça me revient, le repère des voleurs. Oh là là, t'es qui là? Oui, c'était ça la dernière fois. C'était oh là là, t'es qui là? Ah oui, non, il faut que j'aille chez un... Faut que je marchande là. Je suis obligé. Oh là, j'ai 58 graines de lin. C'est quoi ce délire? Oh là là. On va commencer par la magie. Ok, génial. Je peux rien combiner. Oh merde. Rappelle-moi les graines de lin. Ah bah c'est pour le regain de magie. Oh oui. Non mais vendez-moi des trucs à base de regain de magie là. Je m'habille pour vous séduire et avoir des petits prix. Voilà, allez hop. Des petits prix. Il fait quoi lui? Il fait un moonwalk? Une proie fraîche. Non mais ça va pas non. Oui. Pardon. Je croirais dans la série V là quand il dit ça. Enfin, elle dit ça, c'est une fille. Bref, Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? C'est pas assez fort, faut que je fasse le son plus fort. Non. Je veux l'alchimiste, excuse-moi, mais. Vous aussi. C'est toi l'alchimiste? Bonjour. Cheminée, je l'avais pas vu. J'espère pouvoir vous être utile. J'espère aussi. Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. Oh, pas mal. Il propose des trucs intéressants. Yep. Là, je dirais pas non. Guérison des blessures graves.
Cette guérison talent 25. Apparemment, ça sous-entend que je ne l'ai pas encore. Mais bon. Mais. Ouais, allez, je vais lui acheter le sort là. Ouais. N'hésitez pas à parler de moi à vos connaissances. Mais oui. Mais je veux la vous aussi. Merci. Il est où l'alchimiste? C'est moi qui l'ai dans son labo. Oups, non, ça c'est une chose. You. Il est où l'alchimiste? Là, il y a des fioles, il y a des potions, je le vois. Ah, c'est la grande responsable. Bonjour, toi. Salutations, invocateur. Je suis pas emmerdé, Bouquine. Oui? La guilde d'Anneville a acquis une grande renommée depuis que ses cartes... Vous avez besoin de moi? Bah oui. C'est sûr? Je m'appelle Vig. Je fais partie de la guilde des mages. Mais je ne propose pas de formation ni quoi que ce soit d'autre. Ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce que tu fous dans les escaliers, mon grand? Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises? C'est pas ce que je voulais. Des rumeurs? J'ai vu Hertor tout à l'heure. On dirait que quelqu'un l'a encore secouru. Cachez vos parchemins pendant que vous le pouvez. Prenez soin de vous. Absolument pas. Ouais, toi aussi. Vous avez entendu des nouvelles en provenance des autres provinces? J'ai cru comprendre que le culte voué aux Dédra était devenu de plus en plus important dans l'archipel de l'automne. Hein? Attends, mais quelle heure il est? Bah, il est quasiment midi. Merde! Il n'y a même pas d'alchimiste dans la guilde. Il s'est barré faire de la cueillette ou livrer un client? Oh merde! Ah, soupir. Alors, séparation de naissance. Bah oui, forcément, c'est pas du tout là où je suis. Ouais. Oh oui, mais il faut que j'aille voir un marchand, c'est obligé là. J'ai trop de trucs sur moi là, faut que je vende. Il faut que je vende toutes mes marchandises. Qu'on se le dise, qu'on se le dise. Ah. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, Tagada Poutroute. Ah bah. Voilà une ville qui est pratique. Je sors de la guilde, je fais face juste à un super marchand. Que demande le peuple? Oh, c'est bon. C'est votre jour de chance. Je vous écoute. Pardon. Amals de la guilde des guerriers est passé expert dans l'art de traquer les gobelins. Il déteste vraiment ces créatures. Les gobelins sont ignobles. C'est plus de pouvoir pour lui. J'ai l'impression que Glartir traverse encore une mauvaise passe en ce moment. Vous avez remarqué? Oui. J'ai entendu Bernadette Pénélès dire qu'elle pensait qu'il la suivait. Il serait temps de faire quelque chose au sujet de cet elfe des bois. Il est vraiment complètement dingue. Quelles sont les nouvelles des autres provinces de Tamriel? J'ai entendu dire que les Nordiques de Bord-de-Ciel étaient en guerre contre les Redoran de Morrowind. Oula, dur. Les Nordiques ont toujours eu une attitude extrêmement protectrice, dès qu'on touche à leur territoire. Pas étonnant qu'ils se retrouvent toujours impliqués dans ces escarmouches. Bon voyage. Adieu. Oui? Oui, tu vends des choses. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? S'il vous plaise. Attends, moi je vais d'abord vendre, parce que j'ai trop de trucs. Oh là 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 là.
Ah oui, elles sont dans un sale état. Bon, bah tant pis. Vous êtes très dur en affaires. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Non, je les garde, les pompes là. C'est stylé. Oui, la robe de moine, je m'en fous. Encore que. Oh, j'en retrouverai. Vous avez gagné une belle somme. J'en retrouverai d'autres. Je vais pas me. M'encombrer de tout ça. Ouais. Eh ben, je suis embêté parce que je suis en train de me rendre compte que je vais pas vendre grand chose. Bien embêté. Ah. Bah, tu me diras, c'est que. C'est un prix équitable. C'est que 3 unités de masse. J'ose pas dire kilo, mais. Ah, je suis bien embêté. Parce que là, je suis vraiment lourd et je m'apprête à repartir en exploration. Donc, je me demande si là, ouais, l'épée là, je ferais peut-être pas bien de m'en séparer. Ouais, ouais. Vous avez fait une excellente affaire. Oh, toi aussi, va. Mais, pareil, la dague. J'ai une autre dague normalement, je crois, la dague de la. Ouais, bon, bref, apparemment, c'est pas si top que ça. Ouais, j'ai tout. Maintenant, j'ai la phobie de pas avoir de lame sur moi, de me retrouver sans arme. Ça me l'a fait une fois, c'était l'horreur. Oh là 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 là. Ouais, les graines de lin, ouais, ça va. Ça veut dire que là, j'ai quand même près de 6 unités de points en graines de lin. Les bouquins ne pèsent pas trop lourd. Mince, j'en perds ma. Ah, manuel de sort. 2 de masse, dis donc. Oh, mais il faut que je me trouve un chez moi, là, ça va pas. Ah oui, il y a des trucs à lire. Ouais. Ah oui, alors attends, regain de magie. C'est bien qu'ils vendent des ingrédients. Mais tu vas voir qu'il va pas me proposer ce qui m'intéresse. Regain de magie. Oh, y a pas. Voilà. Ah, oh, misère. Merci. Vous êtes ici, chez vous. J'adore. Au revoir. Au revoir. Ah, je suis bien embêté. Je suis bien embêté parce que. Pardon. Parce que. Ouais, je me suis pas trop délesté. Il faudrait que je me trouve une planque ou une. Vraiment un point de chute là. Avec du stock. Je suis vraiment embêté. Comment je peux faire? Ah oh là 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 là. Oh, en attendant, je pars à l'aventure quand même. Alors, après, est-ce que ça devienne mon objectif principal de me trouver un chez moi?
paraît combien qu'il y a des égouts de l'université Arcane. Il doit y avoir un truc quelque part par là, à mon avis. Tiens, j'avais pas vu qu'il y avait... Alors là, il y a une presqu'île en plus. Mais là, carrément, il y a une île bien isolée. Il doit y avoir des trucs sur cette île, c'est pas possible. Oh là là, la côte opposée, j'y suis jamais allé. Le château de Bruma. Eh ben... Oh là là, la carte elle est énorme. Oh là là, il y a un château là-bas au fin fond des ténèbres. Oh, en plus, ils ont un lac pour eux, le lac Canulus. Oh là là, cette baie, je la connais pas, mais je la connais pas du tout. Même dans ma partie précédente de quelques heures, j'y suis jamais allé. J'ai tout à découvrir. Ah, la porte étrange. Oh la vache. Auberge de mauvais présage. Aïe. Oh bah ça aussi c'est une île. Bon certes qu'il y a le calpon, mais en soi c'est une île. Ah ouais, sur le lac Rimole. Que faire. Oula. J'ai pu Esselwer, c'est le territoire des Khajiit, non? C'est un désert normalement. C'est pas ça qui me fait avancer parce que je suis en train de gamberger là. Comment je fais pour avoir mon chez moi? Je me barre à Chorol. J'ai même plus où est mon cheval. Oh, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui me vende des ingrédients de magie. Ah bah, toute chose alchimique, bingo. Non mais vraiment, cette ville, elle est parfaite. Que voulez-vous? Bien le bonjour. Des rumeurs? Bernadette Penelès travaille à l'entreprise Vinicole Tamika. Ils font vraiment de l'excellent vin là-bas. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises? Mais à quel prix elle les vend, elle? Oh, regain de magie. Oh la vache, le prix. Alors, regain de magie. Non, pas la carotte. Ah, il faut que je lui achète. Oh, putain, ça coûte cher. Ah, vous êtes chiant. Ouais. Ouais. Quoi? Ah non, c'est la réduction de magie. Non, non, moi je veux le regain de magie. Oh là 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 là, mais il n'y en a pas beaucoup.
ça ira pas loin, je suis déception. Tel point que je suis en train de me dire que je suis condamné à lui acheter du regain de magie. Oh là 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 là, le prix. Oh ya 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 ya. Ah, je végète. Je vais en prendre un peu, mais c'est juste histoire de. Oh la vache. C'est un plaisir de vous compter parmi mes clients. Tu m'étonnes. Adieu. Adieu. Je fais vœu de trouver des ingrédients dans mes voyages là. Mais rapidement. Je suis dégoûté. Mais non. J'ai cliqué là où il fallait pas. Au final, je l'ai dans le baba. Là. Et l'autre là. Ah, c'est la misère. C'est la misère. Ah, il faudrait que je retape mon armure. Eh oui, forgeron. Il est où? Il est là, je crois. Ah, elle. Pas si fort, s'il vous plaît. Oui, je sais. Des rumeurs? J'ai vu Gak Gramogak un peu plus tôt. Du moins, je crois bien que c'était elle. À moins que ça n'ait été sa sœur. Si c'est cassé, je peux m'en occuper. Oui, je veux ça. Merci bien. Bonjour. Du coup, je suis tellement content que je me remette en armure. Je vais partir en recherche de mon cheval. Et... Oh, mais quel con, pourquoi... Ah bah non, c'est mon bouclier, je crois. Après, je sais même plus ce que je mets. J'ai pas mis de gants, je crois. Ouais. Il me faut mes flèches. La dague là par défaut. Voilà, c'est bien. Alors attends, sauvegarde. Je sais plus comment. Comment allez-vous? Mais bien et toi? Oui. Des rumeurs? Ah non. Ah si. Fadus Calidus sait vraiment se servir d'un bouclier. Je ne l'ai jamais vu se faire toucher par un adversaire. Oh la classe. Au revoir. Oh ouais. Bon. Bonjour, ô elfe. Bonjour, soldat. Ah. Ayez pitié d'un vétéran. Une pièce me suffit pour manger toute la journée. Ouais, c'est bien. Tiens. Merci, chère madame. J'aime bien quand ils disent ça. À plus. Mistara vous bénisse. Oui, toi aussi. J'espère que mon cheval est là. Ou là. Je crois pas. Je crois qu'il est à l'opposé. Effectivement, il est à l'opposé. Je ne connais pas cette sortie.
Voilà. Mon cheval. C'est parti pour l'aventure. Bang. Arrêtez pour la bantoule. Attention. Alors, où vais-je? Ah merde, je suis du mauvais côté de... Faut que je comprends de la ville. Ah là 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 là. Oh, c'est beau par ici. Il y aurait pas d'une route, par hasard? Y avoir du nouveau. Y'a rien. Ou alors j'ai déjà accueilli le mien. Ah oui, j'ai dire, j'ai un truc qui m'attaque. Et ça commence. Voilà, pas voilà. Alors, bah, c'est j'ai les 10. Il faut que je retourne voir Cinderion à Shingrad afin qu'il puisse commencer à créer un élixir d'exploration à partir des racines. Oui, je veux bien prendre ça comme quête active parce que c'est pas intéressant. Mais le problème, c'est du coup, je sais plus où est-ce qu'il est fait. Attends que je regarde la carte. Non, déconne pas. Il est dans la ville où j'étais? Sérieux? Oh merde, ah bah on fait demi-tour alors. Ah bah elle est bonne celle-là. Ah bah elle est pas mal celle-là. Oh merde, et puis il y a le brouillard qui se lève. Alors, c'est un arrêt express. Comment ça va? Excusez du peu, mais je vais pas le remettre dans l'enclos. Il y avait une petite odeur qui sortait de la ville. C'est vous? Salut. Salut. Ah oui, non, il était là, c'est vrai. Bonjour. Bonjour. Ah ah. Où est-il? Ah. Comment se déroulent vos recherches? Ah bah... Ça y est, des rumeurs avant? J'espère que personne ne tentera quoi que ce soit en présence du capitaine Dion. Ce n'est pas un client facile. Le Nienroth? Si vous avez besoin d'en savoir plus sur la Nienroth, lisez l'article. Oui, oui. Élixir d'exploration, s'il vous plaît. Fantastique. Vous avez trouvé 10 échantillons de Nienroth. Je m'en vais de ce pas fabriquer l'élixir d'exploration. D'après ce que j'ai lu dans ce livre, j'aurai besoin d'au moins 20 échantillons de Nienroth de plus pour fabriquer un élixir plus puissant. En tout cas, si vous revenez dans environ 24 heures, l'élixir de faible puissance devrait être prêt. Cool. Génial, merci. Ah bah j'ai bien fait de les déposer maintenant, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il va faire macérer tout le bazar. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est moi, à plus, à la prochaine. Ah oui. Et c'est reparti pour un tour. Hop, hop, hop.
Oula, faut pas que je galope, il y a du monde. Oh là là. À l'envie de la cueillette, surtout qu'il fait beau. T'as une vue sur les fortifications, c'est la classe quand même. Alors, la quille est faite, on continue. Alors, j'ai des petits soucis avec ma souris. Je peux avoir un étrange faux contact. Et du coup, je perds la main. Donc, c'est le genre de truc, il faudrait pas que ça m'arrive en combat. Parce que ça causerait ma perte, bien évidemment. Je ne me souvenais pas qu'il y avait un rocher sur la route. Oh là 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 là. Mais je peux pas résister, il y a des fleurs partout. Oh, le brouillard qui arrive. Waouh, comment le brouillard s'est posé. J'ai failli ne pas l'avoir en fait. J'ai rien en face. Ouais. Bon allez, c'est beau. Ouais, j'ai cru voir un loup. Ah, c'est un cimetière. Ouais. La bourse ou la vie. Putain, je l'ai pas vu venir, lui. C'est comme ça que je l'aime. J'adore qu'on dise ça. Ah ouais. Ouah. Non, t'attaqueras pas mon cheval. Voilà. Il m'a fait mal, le salaud. Vous êtes pathétique. Aïe.
Et c'est qui va me buter, ce con? Vous allez mourir. Ça. Ce que vous avez. Nous sommes d'accord. Je l'ai au final. Ça, mais il a failli m'avoir. Ah la vache. C'était chaud. Alors j'en connais un dont la dépouille va rester longtemps sur la route. Ok, en plus, tout ce qu'il y a sur lui, c'est rien. Oh Dieu! Aïe aïe aïe, j'aurais rien gagné au change. Mais bon, bah. J'aurais remporté le duel. Quoi? Ah non, je suis revenu sur mes pas, déconne pas. Putain, elle est bonne celle-là. Je suis revenu sur mes pas. Mais si j'allais au château finalement. Attention. Ouais, comment on fait? Quelle heure il est? Oh putain, mais il va faire nuit. Si je me barre. Je vais devenir fou. Non, tant pis. Je fais machine arrière. Tant pis, je passerai la nuit dans un endroit où je vais guerroyer parce que. Je vais pas progresser si. Et là je vais. Hein? C'est pas sur la carte, déconne-toi. Je vais où là? J'ai cru que je reprenais la route. J'avoue, ça m'intrigue. Oh la descente, toi. Ah, mais c'est une cascade en fait. Parce que le chemin continue en fait. D'accord. Ah oui, il y a un pont. Attends.
ça continue vers là-bas. Ok. Bon, j'irai pas parce que je veux pas abandonner mon cheval. Honnêtement, j'aurais été simplement à pied, je l'aurais fait, mais... Là, je suis pas fou. La nuit est en train de tomber, il y a du brouillard. Ah, je cours dans les escaliers, je sais pas bien. Je risque de me cacher la gueule. Par là-bas. Ah, c'est la mine abandonnée. Avec ses flèches. Ils m'ont bien entamé les salopios quand même. Apparemment, au niveau du pognon, sont liés. Merde, pardon. Mon cheval, attends, je me garde devant la mine. Je lui donnerai de l'herbe à moi. Ah, bah attends, même lui, il a perdu son. Toujours cette prise. J'ai un bug là. Ah. J'ai eu très chaud parce que ça a failli être moi. Ah pareil, il a une dague. Je la prends, on sait jamais. Je peux me servir. Alors avant d'entrer dans la grotte, je vais voir si je peux pas faire de la chimie. Mais ça pourrait être salutaire pour moi. Ah oui, non mais j'ai vraiment des problèmes de souris là, ça craint. J'arrête pas de l'éteindre, de la rallumer là sans fil. Qui est regain de santé. Ça laisse tomber, c'est la misère.
Ah, si seulement. Mais voilà, il n'y a pas. Ah mince. Fais l'œuf et la poule. Oh là 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 là. La fortification de magie, mais... Oh, regain de personnalité sur soi, ouais. Non, on verra, tant pis. Bah oui, mais du coup, je suis toujours pas... Voilà, c'est les petites que j'ai faites. Aïe, aïe, aïe. C'est mieux que rien, mais bon. C'est dur, quoi. Génial. Je viens de me battre avec le fil du microphone, je viens de m'exploser le pied en me détendant les jambes. J'espère que ça change rien en ma qualité de captation de la voix là. Bref. Voilà, allez, c'est parti. Courage. On voit que puis. Oula. Ah bah il m'a tué. Mais c'est vrai que c'est horrible hein, de couper ça. Ouais, je suis pas à la hauteur, il m'a buté. Et ben j'ai bien fait de sauvegarder. Ah mince, le cauchemar. Ah là 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 là. M'en fous, je les aurais, les sagouins. Mais j'ai peut-être pas la bonne arme en fait. J'ai peut-être pas la bonne arme. Elle est là, la bonne. Oh, j'aurais pas dû me précipiter comme un sagouin là. Voilà, je me suis fait démonter. Ah, ça va être la violence. Ah oui, non, merde, c'est pas la bonne. Attends.
Mais elle a plus de charge de toute façon, mon arme. Mais oui, elle a plus de charge. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Non. En train de me dire, mais non. Alors attends, dans le plan de la grotte, il se passe quoi? Mince, je fais des bêtises. Alors moi, je viens de là. Et tunnel de mine en ruine. Ah, mais j'avais déjà fait apparemment. Je suis en train de refaire un lieu que j'avais déjà fait. Je sais pas si ça vaut le coup que je m'y engage. Ouais. Apparemment, j'avais déjà fait. Oh, en même temps, faut que je trouve un endroit où dormir. Attends, je vais essayer quelque chose. Merde. J'avais pas vu ce con. C'est toi qui deviens petit. Voilà. Oh, il a l'air pas mal le bouclier. Ce qu'elle vaut l'épée. Le bouclier semblait pas mal. Non bah non, c'est l'autre que j'ai zigouillé juste avant. Bref. Eh oui, j'ai déjà fouillé, oh là là. Je peux reprendre un peu d'or, mais c'est la misère. C'est la misère. Ah oui, c'était la veine d'argent. Je crois que c'était un champignon. Ouais. Je distingue plus rien. Oui, j'allais dire. J'ai pas vu l'autre. Allez, bête, ouais. Ah, voilà une nouvelle qu'elle est bonne.
Yep. Ah, les regards de magie. Ah oui, c'est un truc instantané en plus. Bloom, d'accord, ok. Même mes potions au final, elles sont meilleures. Parce que certes, elles mettent un temps à digérer, mais... Pour moins cher, j'ai plus de magie, alors. Oh! Stylé. Oups. Je vois plus rien. Je suis en train de me faire gang, je suis mort. Je me serais défendu jusqu'au bout. Ah, ce qui m'ennuie, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de plumard. J'aimerais bien qu'il y en ait un. Ils ont pas de plumard, les gobelins. Ah, il repart. Je vois sa marche, il s'éloigne. Merde, j'ai plus de souris, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Ah oui, non, ça m'intéresse pas. C'est traître le coup de la lumière du jour. Mais je suis déception. Je crois qu'il fait jour, mais en fait non. Je vais sortir, il va faire toute nuit. Ah non, on dirait qu'il fait... Mais non, il est minuit. Mon cheval, il est où mon cheval? Mon cheval. Il était devant la... Ah putain, il m'a fait peur. Canaillou, tu m'as fait une farce. Ah, ça me bouffe. Avec cette histoire de magie.
t'inquiète. Ah, attends, oui, c'est bien, je suis dans la bonne direction déjà. Oh non. Ah, c'est pas un hôtel de recharge de magie, ça. Oh, merdoum. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Eh, ça commence pas, les salopards. Alors lui, il a été facile. Pourquoi, je ne sais pas. Mais lui, autant dire qu'il était cadeau. Pas trop blessé, non, ça va. Un puits à Iléide, c'est pour recharger la magie. Vous tirez de la puissance du puits. Oh, génial, recharge complète de magie. Mais ça fait plaisir. Attends, il y a des effets actifs, hein, déconne pas. T'as le symbole, je l'ai jamais vu. Non, les effets qui sont en cours sur moi. Fortification de magie, c'est énorme. Amélioration de magie 100. Capacité d'Atronach 150. Et sort. Ah oui, du puits à l'élite 42. Ah non, mais ça fait plaisir. Pardon. Ah, mais béni soit ce puits de mana, quoi. Énorme. Ah, c'est trop bien. Bon, je m'arrête à la grotte de Grisrock et puis je marque une petite pause. C'est pas comme si j'avais envie d'aller aux toilettes. Oui, j'allais dire, la grotte doit pas être loin. Ah merde, y'a un... Merde. Ah bah ça se passe là, la grotte. Ouais. Merde. Oui, bref, mon cheval sera en face. Oula! Oula! Alors, suite de l'aventure juste après. Je vais faire une petite pause. Ça impose. Ah.